soir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans Total Accurate Battle Simulator. Oh, mais Bob, tu nous as déjà montré plein de ce jeu. Pourquoi tu nous le ressors encore une fois? Ça veut absolument rien dire. Eh bien, parce que, brave Jean, grâce à la générosité d'un de mes modos, des développeurs et du monde entier, grâce à la grâce de Noël, alléluia, motherfucker, j'ai pu obtenir la version néon. La version néon, chers amis. La toute dernière mise à jour de Total Accurate Battle Simulator. Et on va s'expliquer ça sur un petit combat, voilà, très bien. Total Accurate Battle Simulator qui a été mis entièrement à jour avec la version néon. Mais pour avoir la version néon, chers amis, c'est-à-dire des sabres laser, des nouvelles maps, un merdier pas possible, il faut... Bah putain, c'était vachement rapide. Mais c'était très rapide tout ça. Voilà, pour avoir cette version, il faut terminer le jeu... il faut terminer le jeu en fait, qui se voit rallongé de 5 nouvelles missions extrêmement difficiles pour le bonus. Alors pour la petite expérience, on va reprendre le level 20, voilà, très bien. Putain, la map elle a carrément changé en fait, hein. Waouh. On pourrait refaire la campagne, hein. Je pense qu'on fera ça, mais bon, vous vous souvenez, voilà, le géant, les samouraïs, le merdier, 4000$, je crois que si je me souviens, j'avais mis un M16 et genre des paysans, mais pour faire durer en fait. Voilà, très bien. Fight! Waouh, vas-y, fais le ménage! Sauce tous les samouraïs, tire-lui dans la bite! Yeah! Oh mon dieu, mais j'avais déjà remarqué, il a un petit boule en fait, ce petit Space Marine là! C'est la qualité, et du coup, il vide son chargeur directement dans l'homme procréateur de poulet, et c'est la victoire totale. Donc voilà, ça c'était la dernière mission du jeu, c'était pour vous montrer un petit peu à quel point c'était facile. Oh là 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 là, et là la mission 21, alors comme vous pouvez le voir, les décors ont changé, ils ont encore évolué, ils ont encore fait évoluer le jeu, hein. Je suis impatient qu'ils le mettent, enfin qu'il soit terminé, qu'ils le mettent en vente, qu'il soit modable sur Steam, enfin des milliards de choses, chers amis, hein, parce que j'ai envie de dire, ça pourrait donner des trucs assez intéressants. Et là, regardez, oh là là, les épées vibro-laser. Mais bon, c'est pas turbo-laser? Non, non, c'est vibro-laser. Comme maman... Oui, Billy. Comme ta maman. Nous avons donc 2000$ pour gérer des gens avec des fusils, enfin des pistolets plasma de Space Marine et des Power Blade. Alors je sais pas comment on va les gérer, on va essayer avec des lanceurs de javelot. Beaucoup de gens, lanceurs de javelot. Et puis on va leur mettre des croisés. Voilà, on va cordialement informer les croisés qu'il faut reprendre Jérusalem. Généralement ça suffit à les exciter très fort. Et un lancier, voilà. Reprenez Jérusalem contre ces chiens de sabre laser! Wouah! Deus Vult, mon gars! Oh la vache, ils se font démonter! Oh là là, ils se sont fait démonter, c'est une catastrophe! Oh, regardez, il y a même le machin qui envoie des cubes au fond! Ils font quoi ces cubes? Oh, ils explosent! Ça veut rien dire! Ça veut rien dire! Bon, eh ben écoute, tout ceci est très disco, j'ai envie de dire. Tout ceci est disco as fuck! Défaite. Bon. Eh ben écoute, défaite, mon gars, hein, c'est pas très grave. On va tenter la stratégie numéro 24. La stratégie napoléonienne. 4 canons. Voilà. Ah, et malheureusement, j'ai des problèmes de son, en fait, depuis cette mise à jour. Vous voyez, les canons ne font plus de bruit. Donc on va le faire nous-mêmes, hein, ici, sur YouTube. Malaise TV, hein. On est là, on est bien. En tout cas, ils arrivent et ils se font absolument massacrer, j'ai envie de dire. C'est un régal. Oh là là, ils ont rien pu faire. La victoire est totale, mon gars. La victoire est totale. Bon, et ben ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, putain, c'est qui ces mecs-là? Waouh, ils ont des bobines Tesla. D'accord, et encore plus de Marines avec des pistolets. Ok, très bien. Pas de soucis, nous avons 2500$. Voilà, on applique de la stratégie. Hop, ils vont se faire prendre en quenelle. Allez-y. Feu! 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 Feu, bordel de merde! Oh putain, il approche! Oh là là, il est déglingue! Non, c'est bon, il s'est pris une balle. Feu! Oh, abattu à bout portant, il reste un sabre laser, deux sabres laser et ils se font finir, c'est bon, c'est la victoire. C'est la victoire, chers amis. C'est la victoire. Cependant, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler dans les options? Parce qu'il faut savoir que dans les options, les effets, le jeu et tout le reste, tout ceci ne m'écoute pas en fait. Hein. Ouais, ça ne change absolument pas le son en fait du truc. C'est bugué. Ouais, tu vois, je peux changer tout ce que je veux tant que je veux.
ça ne changera absolument rien en fait, chers amis. Mais c'est pas grave, on fera avec. J'essaierai au montage de baisser, de remonter les intensités de son. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être des canons à foudre. Alors, il y en a, ils ont des doubles épées laser, hein. Ils ont des bâtons laser, ce qui ne veut absolument rien dire. Ça a l'air d'être un mousquet laser ou un fusil sniper. Il le tient à l'envers, en fait, c'est assez bizarre. Bon, et bah écoute, contre ça, bien sûr, il n'y a que les tonneaux. Voilà, les tonneaux del muerte. Ça va bien se passer. Ouah! Pion, 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 pion! Ça touche pas, ça explose! Bon, d'accord. Ok, forcément, les autres tonneaux font exploser les... Ouais, d'accord, mais malheureusement, ça ne marche pas. Ok, ils moulinent avec leurs pagaies. Ça va être catastrophique, ça, chers amis. On va utiliser la même stratégie, hein, la stratégie... La stratégie napoléonienne de « Vas-y que j'ai des armées et que de toute façon, tu peux rien faire. On est trop nombreux, mon gars. Bonne chance. » Voilà, on a tous des fusils, on est nombreux, on est vénères. Vous êtes prêts? Feu! Oh putain, il nous tire dessus, non, feu! Feu! On se fait démonter, putain, feu! Non, on se fait démonter, non, il mouline! Arrête de pagayer, arrête de pagayer, tirez-les dessus! Oh putain, mais on se fait déglinguer! Oh, c'est une catastrophe, quoique non, attends, ils sont plus que 4, ouais, malheureusement, il y a un véhicule, ouais. Le véhicule est un peu craqué, j'avoue, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Oh là là là, il y en a, il s'est pris un éjaculatron de sniper, ça ne veut rien dire. Écoutez, nettoyer, on va utiliser la bonne vieille technique, Headbutter ou Misk, les paysans à 30, Headbutter c'est 330 quand même, ils ont énormément de points de vie. La bonne vieille technique. Bitch, j'ai beaucoup trop d'hommes. Voilà, ça nique un peu les performances. Mais ça devrait bien se passer. Chargez! Ils ont rien le temps de faire! Vous êtes trop nombreux! Marchez sur les cadavres de vos frères! Atteignez l'ennemi! Éliminez les faibles! Ils ont besoin de technologie, vous avez juste besoin de votre matière grise. Allez-y, tout au coup de boule. Putain, mais ils moulinent, hein! Oh, le maître site, il mouline! Oh là 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 là, les pagayeurs, ils sont balèzes. On a réussi à avoir le sniper. Il reste un mouliner, putain, ils sont trop forts. On l'a eu, il n'en reste qu'un. Il en reste qu'un, c'est Highlander, le mec. Oh là 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 là, c'est la victoire. Alors lui, par contre, j'aime pas du tout ce qu'il a dans le dos. Lui, ça mouline, donc c'est dangereux. Ils ont des pistolets laser et des mousquets laser. Très bien, des fusils sniper laser, très bien. Eh ben écoute, on va appliquer la bonne vieille stratégie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le reste, 12 volts, mon gars! C'est parti. Oh là là, il a une espèce d'onde de... Oh, il les aspire! Oh, il aspire, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez-y, vous avez le soutien! Ils vous tirent dessus, mais ouh là là, ils se sont fait éjaculer du rayon, ils ont rien compris. Feu, les canons, feu! Vous laissez pas avoir par ces minables! Ils sont en train de les démonter. Alors, eux, par contre, quand ils tirent des rayons laser, c'est pas des petits rayons laser. Ouah, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de s'envoler. Non, tu n'es pas un hélicoptère. Tu n'es pas un hélicoptère, tu es un site. Oh là, on se fait démonter. Ah là 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 là. Bon, on a quand même 5000 de quoi gérer, hein. Ça peut être assez honnête avec 5000 Chicken Man. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ou un super boxeur. Il va se faire repousser, hein, Dans ce cas-là, un super boxeur, mais on va le soutenir avec des fermiers. Voilà, avec un mur de fermiers. Impeccable. Chargez ! Point. On utilise le pouvoir de la dubstep, mais ça ne suffira pas. Ah, mais ça les tue ! Ça les tue quand même, mes fermiers, carrément, hein. Oh là là, il se fait tirer dessus, mais le boxeur, il y va. Vas-y, déglingue-les, bois. Oh là là, il les démontre. Oh mon dieu, il s'est fait buter, d'accord, très bien. Ça n'est malheureusement pas passé. Écoute, si on mettait des ninjas. Est-ce qu'on peut quand même mettre une belle petite armée de ninjas, là? Voilà, les ninjas, c'est très bien, les ninjas. Et bien sûr, un maître du je me chie dessus. Voilà, à lui tout seul. Il devrait faire le taf. Soy, allez-y, envolez-les. Ouh là 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 là. Et ils sont tous morts, là? Oh, ils sont tous morts. C'est complètement craqué, en fait.
Il faut absolument qu'on réussisse à éliminer Monsieur Bouclier avant que ça se fasse, parce que sinon ça ne passe juste pas en fait. Très bien, très bien. On va changer de stratégie. Avec deux Watcha. Et tous les ninjas seront à l'arrière. Voilà, avec ça, ça devrait passer. Allez-y, feu! Oh là 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 là, il s'est fait démonter, il a pas eu le temps d'activer sa charge. Non, il se relève! Non, non, pêchez-le! Ah putain! Bon, c'est pas grave, il est mort quand même. Il est mort quand même, on n'a pas perdu tant que ça. Oh là 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 là, mais mes ninjas se font démonter. Mais c'est quoi ces ninjas? Ils apportent la honte sur le clan du dragon! C'est terrible! C'est terrible, putain, on dirait un sketch de Kev Adams, c'est terrible. Alors, un Samurai Master, un Ultra Musashi Ninja, fais voir comment il s'en sort lui. Non, dès le début, il se... Ok, très bien. Pas de soucis, pas de soucis. Me demande... Une Hillary et un Donald Trump en tactique battle. Avec une armée d'Américains derrière. Ça devrait bien se passer. Allez-y! Battez-vous pour la liberté! Oh, ils ont survécu! Ils ont survécu! Les emails volent! Le M16 est tiré! Allez-y, butez-les! Ouais, il les a tous déglingués! Oui, la coopération improbable! Je sais pas pourquoi elle est devenue. Je sais pas pourquoi c'est devenu Michel Obama! Ah putain! Bon, il reste lui au milieu. Ah, il reste encore Donald Trump sur le terrain. Va-t-il survivre? Non, c'est bon, il est en train de l'abattre comme un chien. Victoire! Victoire, chers amis! Bon, bah, ça s'est bien passé. Oh, mais c'est violent, hein, les emails, mon gars. Alors, deux Tesla, deux trucs à gravité, deux sabres laser, deux rayons. Oh, des canons laser! Trop stylé. Et bien sûr, les mousquets sniper rayons laser of doom. Et ben, dans ce cas-là... Voilà, il n'y a que cette solution. Et y'a... Joyeux Noël! Joyeux Noël, mon gars! Oh, mais ça tient! Ça tient! Oh là là, que se passe-t-il? Il y a un ring sur le terrain qui est invoqué. Oh, il y a un super... Oula, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis encore en vie. Pourquoi je suis encore en vie? Si je suis encore en vie, c'est qu'il doit y avoir un traîneau qui traîne. Un traîneau qui est encore considéré en vie. Il est peut-être hors map. Non, c'est bon, il est mort, il était là-bas, très bien, pas de soucis. Ok, bon, les traîneaux, ça fout bien la merde. Une armée générique, peut-être du Watcha, histoire de bien leur mettre le couac. 5, 6, 7, voilà, 8, 9. Et le restant, je me chie dessus, très bien. Feu! Oula là 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 là, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça a quand même fait le ménage, hein. Alors après, malheureusement, ouais, les deux avec leur package se suicident et font du dégât. Mais il y a peut-être un plan. Oh là là. Il y a peut-être un plan. Il y a peut-être un plan avec les Watcha. T'en mets un là. Et un là. Un là. Voilà, histoire de bien les couvrir, tu vois, histoire de bien les saucer. Et avec au milieu de ça, peut-être des archers, non, c'est pas une bonne idée. Peut-être une catapulte histoire de faire du ménage. Et au cac, non, c'est pas une bonne idée au cac. Il reste un maître samouraï, mais il va se faire démonter. Il va se faire démonter bah, du paysan. Voilà, bon, t'espère que ça passe. C'est parti! Donc, dès le début, comme vous pouvez le voir, les forces ennemies sont hautement réduites. Oh là là là, d'accord, c'est des rings qui invoquent des super boxeurs pendant une fraction de seconde. Il reste une catapulte sur le terrain qui vient de buter un de mes gars. Bien joué. Ah non, ils arriveront pas à passer. Hein. Là, c'est des mecs normaux. Ils arriveront pas à passer. Putain, là, avec leur canon. Et faire... Donc oui, voilà, c'est ça. Les boulets de canon créent un ring dans lequel il y a un super boxeur qui bute tout ce qui s'y trouve. D'accord, c'est intéressant. C'est un concept. Bon, après, je me demande... Voilà, il y a des choses dans la vie qui font que parfois, même si t'es plus puissant technologiquement, il y a juste des choses qui ne te permettent pas de vaincre. Comme le nombre. Voilà, le nombre. Oh putain. Le merdier est total. Allez-y.
allez-y, allez-y, déglinguez-les, déglinguez-les, il y en a Tesla, bam, 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 un coup dans le dos. Le fantôme qui extermine les headbutters et ça passe. Et voilà, thank you for playing. Et voilà mon gars, la victoire elle est totale, super. Et bah excellent, on peut donc enfin tester la faction néon dans le bac à sable. Ah, oh là 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 là, et ça va être absolument délicieux. J'aimerais qu'on soit au Japon, Danemark. Oula. Oh, c'est joli, il y a même du vent et des nuages et tout. C'est sympa. Le Sahara. Oh, les pyramides, c'est stylé. Et enfin, en mode full néon, bien sûr, pas de soucis. Et ben, on va se battre au Sahara, juste pour le décor. Ou non, tiens, on va se battre au Danemark, parce que c'est sympathique, c'est viking. Très bien. Énergie pistole, fais voir. D'accord, on va tester juste les unités rapidement, chers amis. Je vais mettre une dizaine de paysans en face. C'est parti, énergie pistole, feu. Feu. Alors, il faut que ce soit assez proche, quand même. Hein. Bon. Eh ben ça m'a l'air assez simple ça finalement hein, comme concept hein, pourquoi pas. Energy Swords, ok, je peux visuellement planifier ce que ça va donner, hein, y a pas de souci, vous avez tous compris, c'est Star Wars. Voilà, bon, c'est du hasard, pas de problème. Tesla. 200 de santé, 100 de vitesse et une attaque rapide. D'accord. Et lui, par contre, il va plus vite. Ok, très bien. Si je mets plus de paysans en face, il se passe qu'ils vont crever comme des cacas. Ouais, d'accord. Et ça zone en plus. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien, chers amis. Gravity Dude, on a tous vu ce que ça faisait. Beamer, d'accord. C'est les gros rayons de l'apocalypse. La vraie question, c'est à quelle distance ils se touchent. Ah, ils ont quand même besoin d'une ligne de visée. Oh la vache. Snake, attention, il y a un sniper. Tu dois être sacrément doué pour pouvoir me toucher dans ce blizzard. Ah, il a quand même besoin d'une ligne de visée. Oh là là, on voit la silhouette en face. Oh, le drama est total. On suit les aventures d'un sniper solitaire du futur. Il le voit. Il vise. Il tire et ça touche. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau quand ça arrive. Hein. N'empêche, les distances sont quand même assez élevées. Hein. Donc, note à soi-même. C'est vraiment les mousquets du futur. Hein. Faut faire gaffe. Projectile shield. Ça marche. Ah ouais, regarde. Ça tire contre les projectiles. Oh, c'est super. Ah mais ça tire contre les siens aussi, c'est complètement con. Oh d'accord, c'est donc à ça que ça sert. D'accord. Box gun. Oui bon, on avait compris comment ça fonctionnait. D'ailleurs ça peut être intéressant de tester ça. Regarde avec, hop, plein de box gun contre du milliard de paysans. C'est parti. Voilà, ils se mettent un peu en position. Ils ouvrent. Bah oui, bon bah ok, très bien. Bah ils ouvrent le feu. Ils ouvrent le feu, y a pas de problème. Ça met des rings de partout et dans ces rings, voilà, il y a des super boxeurs qui déglinguent les paysans. C'est marrant, hein, c'est marrant comme idée. Hein, j'aime beaucoup le concept en fait. C'est complètement con, mais c'est sympa. C'est complètement con, mais c'est sympa. Mais du coup, voilà, c'est pas les armes les plus efficaces à mon humble avis. Et enfin, Energy Sword Master. D'accord, c'est les grands boss. 6000 de santé, 100 d'attaque. Ok, très bien. Regarde ça, on peut se la jouer. Voilà, tu vois, c'est Star Wars. Alors, c'est de la trahison. Ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Donc du coup, voilà, on va en terminer là-dessus, chers amis, pour le plaisir de la forme. On a débloqué le mode néon et dans une prochaine vidéo, on va pouvoir y jouer avec eux en long, en large et en travers. On essaiera de faire la campagne principale en utilisant que les unités de type néon, hein, juste pour la curiosité de la chose. Moi, je me pose la question, combien il faut d'énergie Swordman? C'est à combien il faut de Jedi pour pouvoir éliminer un maître Sith? Voilà. Ta 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 ta. Regarde ça. Bois, 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 bois. Oh, ok, bah très bien. Et il s'est fait rouler dessus. Bon bah très bien, ça me paraît légal. Et enfin, que peut faire un Donald Trump face à une armée néon? Vraie question. On va mettre, voilà, une petite dizaine d'énergie Swordsman. Voilà, une dizaine. On va mettre
les deux beamers de l'apocalypse. Puff puff puff. Un et deux Tesla. Et des pistolets laser. Donald Trump, chers amis, le dernier stand de Donald Trump. Ah, bientôt président des États-Unis, mon gars. Waouh, il s'est fait griller, mais c'est pas grave, il ouvre le feu quand même. Bam, 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 il les a eu. Encore un peu, non, il a été abattu. Les Tesla sont juste beaucoup trop puissants. Mais ça c'est dans l'éventualité, bien évidemment, que les gens qui ont des sabres laser puissent tenir une seule seconde face à non pas un seul, mais face à 2 millions de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Voilà, c'est ça qui est bon. Sur ce, des bisous, merci infiniment et c'est parti. Build it! Wouah! Mon PC! Il brûle, on est à 2 FPS, mon gars, ça veut plus rien dire! Ça veut plus. Pouce bleu, chers amis, des bisous et à la prochaine, putain, ça veut rien dire. Oh my god.